Bonjour. Aujourd'hui, on va travailler l'accent, puisque la musique qu'on joue, c'est du jazz, mais ce qu'on appelle du jazz manouche. Donc, on va voir vraiment quelles accentuations, quelles ornementations font que on se rattache vraiment à ce style. Et on va travailler autour d'un morceau qui est mondialement connu, qui s'appelle All of Me. Quant à la rythmique, rien de très particulier. Vous avez vu que j'ai enregistré deux grilles. J'ai enregistré une première grille avec des accords les plus simples possibles. Alors on va en faire le tour un peu rapidement. Le Do 6-9, qu'on a déjà vu dans des morceaux précédents. Donc ici, faites attention à barrer avec le premier doigt la deuxième case, les cordes de Ré et de Sol, et le 3 et le 4 sur la corde de Si et de Mi. Éventuellement, avec le deuxième doigt, vous pouvez essayer de jouer les deux cordes, c'est-à-dire jouer le sol aussi en grave, tout en sachant que la note la plus importante reste la tonique Do.
Voilà. Après, j'ai choisi des positions assez traditionnelles. Mi 7, La 7, aucun enrichissement. Sur le premier A, j'ai même joué un Ré mineur en barré. Alors ici, c'est une position peut-être un peu moins habituelle pour certains d'entre vous. En fait, c'est la mineure, le barré. Simplement, manouche, on joue assez peu de barré. Et là, instinctivement, je l'ai fait avec la basse au pouce à la cinquième case. Ré 7-9, l'accord suivant, et Sol 7. Je refais la première ligne. Vous avez vu que là, j'ai joué le Ré mineur d'une autre manière. Alors, les manouches, puisqu'on parle d'accent, les manouches nous diraient que c'est un accord carré. En fait, c'est un Ré mineur. Je vous explique un petit peu. Ré mineur, on va lui rajouter une couleur, la sixième, c'est Si. Ré mineur 6, Ré, Si donc, Fa, La, et là en fait je vais faire Si, Fa, La, Ré. Donc c'est bien les mêmes notes mais dans un ordre différent. L'accord est renversé. Donc ici, cet accord-là, nous on va le comprendre comme un Ré mineur 6 et non pas comme un Si mineur 7 quinte bémol, qui est la domination juste de cet accord si on prenait la note la plus basse comme étant la tonique. Après, Fa majeur, qu'on peut jouer vraiment sans enrichissement, ou alors 6-9. Fa dièse diminué. Alors ici, si vous reportez à plus d'autres grilles, vous allez trouver Fa mineur. Moi, j'ai manouchisé l'histoire, c'est-à-dire que je vais revenir dessus sur un point de vue harmonique, mais ça reste toujours juste. Je reviens sur le premier degré, Do. Ici, en fait, je joue un Do dièse diminué, mais je pense un La septième. Substitution de l'accord 7 par un accord diminué, Ré mineur. Ce fameux accord qu'on a déjà vu très souvent, Sol 7 13, basse de 9 bémol. Et ici, j'ai fini la grille par une petite descente qui n'est pas très évidente. On va dire que dans cette première grille, c'est le passage le plus délicat. Je vous joue ça doucement. En fait, c'est un Do basse de Mi. Mi, deuxième doigt. Je ne joue pas la corde de Ré. Premier doigt, cinquième case, je joue un Do. Et barré avec le petit doigt à la huitième case. Mon premier doigt reste en place. Les deux autres doigts bougent d'une case. Voilà. Et puis, je répète la suite d'accords précédentes. Voilà, dans la deuxième grille, en fait, j'ai enrichi légèrement la grille. C'est-à-dire que, par exemple, en Do, je suis resté identique. Et par exemple, pour la mesure suivante, qui est Mi 7, plutôt que d'avoir simplement un accord de cinquième degré seul comme ça, je l'ai fait précéder d'un second degré. Donc j'ai fait Si mineur 7 quinte bémol, Mi 7, pour arriver sur pas la 7, mais là aussi pareil, je le fais précéder d'un second degré. Mi mineur 7 quinte bémol. Substitution de l'accord 7 par l'accord diminué pour arriver sur le Ré mineur. Après, j'ai fait une descente sur la mineure, donc l'accord que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais simplement j'ai fait descendre cette note-là. Facile à dire qu'à faire, vous allez me dire, mais je vous l'accorde. Et là, pareil, pour la dernière mesure, plutôt que de faire Sol 7 tout seul, j'ai fait deuxième degré, cinquième degré, et je reviens sur le premier degré.
En fait, j'ai fait deux fois le thème. J'ai fait la première grille en collant le plus possible, en jouant vraiment le plus simplement et en collant le plus possible à la version du Railbook. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le Railbook, c'est vraiment la Bible de tout jazzman. Voilà, où il y a toutes les partitions qui sont écrites de façon très basique. Donc, c'est comme ça que je vous ai joué le premier thème. Donc, ça fait l'affaire, mais vous voyez un peu que ça manque singulièrement de vie, tout de même. Et vous allez vous rendre compte que tous les jazzmen, pas forcément dans le jazz manouche, mais tous les jazzmen interprètent les thèmes. Il y a vraiment assez peu de thèmes qui sont figés. On peut se reporter peut-être à certains thèmes de Charlie Parker, qui joue vraiment en se rapprochant le plus exactement possible de la version originale. Sinon, les thèmes sont à la libre interprétation de chacun. Et c'est ça qui va faire de vous, qui va faire ressortir votre personnalité et le style aussi dans lequel vous vous affirmez. Je ne vais pas m'attarder sur la version Reelbook. Vous avez la partition écrite. Il n'y a rien, vraiment rien de particulier. Je vais plutôt m'attarder sur la version interprétée que j'ai jouée après. Donc cette version, je ne fais jamais vraiment la même. Il y a une grosse part d'improvisation dedans. Je vais essayer de me remémorer ce que j'ai fait d'ailleurs. Alors, pour commencer, j'ai lancé la phrase par une montée chromatique en anacrouse. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Une montée chromatique, donc c'est par demi-ton, et en anacrouse, c'est qui vient avant le premier temps. Donc avant le premier temps du cycle, du deuxième cycle, si on veut. D'accord? Donc nous, on avait déjà vu cette histoire de gamme chromatique pour le lancer. Puisque ici, la chose importante, ça va être de soigner les triolets, les coups de médiator et les ornementations. Regardez, ici, je fais... J'attaque en retour. Je fais un groupe de trois notes. J'attaque la première note et la troisième note. Donc j'arrive sur le fa dièse avec un aller. Ici, moi, je vous conseille, si vous pouvez, techniquement, de tout jouer en aller. Ici, je vais entendre l'accord. En fait, ici c'est un Do 6-9, c'est une autre position. Ici, j'ai une petite trille. Qu'est-ce que c'est une trille? Une trille, c'est... Je n'ai qu'un seul coup de médiator, il n'y a pas vraiment de valeur rythmique dans l'histoire. C'est vraiment un habillage. Là, je joue mi aux deux octaves, avec un glissé. Voyez là qu'en fait, chaque note est travaillée. Même principe que pour lancer la phrase chromatique. Trille. Ici, je fais un triolet. C'est-à-dire que le triolet, j'ai toujours un groupe de trois notes, du coup lui il va avoir une vraie valeur rythmique. J'ai joué la première et la troisième note. La première note en aller, la troisième note en retour. Je continue. Je fais sonner la corde à vide hein, pour un petit effet. Encore une fois, ce principe de l'attaque par un retour, qui est sur un temps faible. Hein. Et ici, vous voyez, je fais un truc qu'on retrouve beaucoup en blues. Plutôt que de jouer la note toute bête comme ça, je l'amène par un hammer.
les octaves, bien sûr aussi, qui sont une solution pour ramener un petit peu de patate à un moment dans un thème, par exemple. Ici, je pars de Do 6-9, hein, vraiment la position qu'on a dans la rythmique. J'enlève la tonique, c'est pas la peine. Et puis je fais cette montée chromatique, mais avec l'accord. Après, je joue des doubles notes. Et je rejoue l'accord, mais à l'octave. Ça, c'est un petit plan autour de mi-7. Ça, ce plan-là, vous avez qu'à écouter Stokelo Rosenberg. Je suis sûr qu'il va réussir à le jouer dans une partie du morceau. C'est vraiment un plan à lui. On est autour de Ré mineur, en fait. Chose qu'on a déjà vu dans le numéro précédent. Et puis, vous voyez que pour le Christophe, alors je vais vous expliquer ce que c'est le Christophe après. Je suis parti carrément en improvisation, j'ai fait des phrases. Je sais même plus exactement ce que c'est. Mais voilà, c'est en fait, quand je joue le morceau et que c'est le premier thème, je pars en improvisation à ce moment-là. C'est-à-dire avant la fin du morceau, ce qui se fait beaucoup. Par contre, pour la fin, je vous ai donné un plan qu'on retrouve beaucoup, qui est plutôt pratique pour finir les morceaux. Donc, je vais détailler ça un petit peu. En fait, j'arrive sur la dernière ligne. On a Ré mineur, Sol 7, et puis normalement un anatole Do. Alors nous, ce qu'on va faire, Ré mineur, second degré, Sol 7, cinquième degré, Mi mineur, troisième degré, La 7, c'est sixième degré altéré. Et là, on a la fin. Donc en fait, ça fait 2, 5, 3, 6, 2, 5, 1. Ça paraît un peu barbare comme appellation, mais c'est quelque chose de très, très commun. Je vous décompose ce qu'on joue, ce qu'on peut jouer quand on a en charge la partie lead. Alors moi je les joue en octave. Hein. J'ai pas mis de solo dans ce numéro parce que c'est déjà assez dense tout ce qu'on voit. All of Me, c'est un morceau qui est beaucoup joué. Il y a même une version de Django, bien sûr, qui existe de ce morceau-là avec un charmant chorus. Charmant, je sais pas si c'est le mot, mais voilà, un très bon chorus. Je vous conseille vraiment d'approfondir l'improvisation sur ce morceau-là. C'est un morceau qui module plus que ce qu'on a vu déjà. Qui module, c'est-à-dire qu'on va changer de gamme, on va changer d'échelle de gamme. Donc essayez de penser chaque accord. Do, ça va être le premier degré. Mi 7, la relation elle est un peu éloignée en fait. Vous avez vu que Mi mineur, ça serait le troisième degré et que là on l'aurait altéré. On pourrait dire ça. Après on a un 2, 5, 1 en Ré mineur qui a une tonalité voisine de Do. Là, je passe en La mineur, Mi 7, La mineur, Ré 7 qui est l'équivalent de La mineur, Sol 7 qui nous permet de revenir sur Do. Et je reviens, je rattaque la première ligne. On a quelque chose d'intéressant aussi pour finir le morceau sur les deux dernières lignes, c'est un Christophe dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc la tonalité du morceau, c'est Do. Et donc le Christophe, c'est de façon tronquée, ça va être quatrième degré, donc Fa majeur, quatrième degré mineur, donc Fa mineur, et il y a un autre choix qui est possible,
c'est de faire quatrième degré et quatrième degré dièse diminué. C'est ce pourquoi j'ai opté, que je trouve que ça sonne un peu plus dans le style en fait. Après, on a un anatole, c'est-à-dire 1, 6, 2, 5. 1, premier degré do. 6e degré, la 7, altéré, mais substitué, excusez-moi, par l'accord diminué, do dièse diminué. Ré mineur, sol 7, et do. Donc voilà, n'ayez pas peur un peu de tous ces mots barbares. C'est des suites d'accords que vous allez retrouver dans tous les morceaux qu'on a déjà vus, dans I Can't Give You Anything But Love par exemple. Et avec lesquels il faut absolument vous familiariser. Voilà, donc bon courage et au prochain numéro.